Cocteau, c'est ton ami. Soutiens-le dans la boutique et il sera ravi. Ah que coucou internet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tout simplement, je vais vous présenter ma map créative qui est simplement une map fun zone. Donc qui fait exprès pour train les fun zones qui sont quand même assez importants dans Scrim ou même en MM, parce qu'en MM maintenant ça joue vraiment sa vie des fois, je trouve. Bref, c'est assez intéressant même pour se chauffer, pour jouer avec les abonnés, tout ça. Si vous voulez le code de la map, donc vous voyez, je peux publier les maps vu que je suis créateur Fortnite. Donc d'ailleurs, le petit code Cocteau dans la boutique si vous voulez. En fait, c'est quand on est créateur Fortnite, vous pouvez publier des maps, voilà, publier, vous mettez votre nom, tout ça, tout ça. Donc j'atteste avec les abonnés sur Twitch. Donc le lien est en description. Donc si vous voulez le code de la map, ça sera tout sur Twitch. Si vous voulez jouer avec moi dans ce. Parce qu'en fait, tout à l'heure, il va y avoir un test de la map en fin de vidéo. Il y aura un test de la map avec les abonnés. Donc si vous voulez faire partie de ces tests, tout ça, vous venez avec moi sur Twitch. Généralement, pendant 1 à 2 heures, je fais des fan zones avec vous. Donc voilà, tout se passe sur Twitch. Je suis en live de 10h à midi et de 18h à 1h, voire 2h du matin. Donc c'est quand même énorme. Et on joue et on passe des super moments. Donc voilà. Bref, je vais vous présenter la map assez rapidement. Donc tout d'abord, quand on spawn, vous allez avoir quoi comme arme? Vous allez avoir un Deagle en or, un petit pompe chasseur bleu, une petite PM bleue et une AK bleue. Bref, ces armes, il y en a qui vont me dire qu'elles sont cheatées. J'ai eu pas mal d'avis avec les abonnés qui me disaient qu'il fallait que j'enlève la PM, que je mette que des Deagles. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, parce que des fois, j'avoue que je ne sais pas quelle arme je devrais mettre. Donc ça, c'est un truc qu'il faut améliorer. D'ailleurs, si vous avez des améliorations par rapport au parcours, à la map fan zone entre guillemets, vraiment, je suis preneur pour qu'elle soit vraiment parfaite et qu'on passe encore des meilleurs moments sur Twitch avec les abonnés, tout simplement. Du coup voilà, donc la map elle est située sur 2 étages, donc le premier est ici et le deuxième est ici. Donc dans le premier on va avoir tous les spawners, donc 16 personnes qui vont spawner dans le premier étage. Et le but va être de monter assez rapidement au deuxième étage qui, comme vous l'avez vu, qui est beaucoup plus petit. Mais pourquoi monter dans le deuxième étage? Parce qu'à vrai dire, autant rester dans le premier. Déjà vous aurez la hauteur sur les autres. Et deuxièmement, vous aurez des coffres dans tous les angles. Il y aura donc 4 coffres avec des mini potes et des bandages. Et donc 4 coffres pour 16 personnes, donc ça va inciter les gens à y aller, parce que si vous tuez des mecs... Parce qu'en fait, pour gagner, il faut faire top 1, mais aussi tuer des mecs. Et en fait, c'est les deux combinés qui font que vous gagnez. Et généralement, sur Twitch, bah, vraiment, c'est une petite parenthèse, sur Twitch, celui qui finit le premier gagne une duo avec moi ou un BF, bref, voilà. Du coup, le but va être de monter en haut. En haut, c'est très serré, c'est très compact, donc il faut bien faire les bons moves, les bons edits, les bonnes constructions, bref. C'est assez intense. De toute façon, je vous propose de voir en fin de vidéo le test qu'on a fait. Faut juste savoir un truc. Hop, je vais ouvrir juste ici là. Alors, au pire, je vais lancer le jeu. Ouais, je vais lancer le jeu juste pour vous montrer en 2 secondes un truc vraiment simple. Donc, vous voyez, on spawn directement avec les armes. Hop là, les armes. On a interdiction de casser les murs orange. C'est interdiction. Voilà, c'est totalement interdiction. Et en bas, faut savoir un truc en bas, c'est que hop là. Déjà, j'ai oublié de préciser, on ne peut pas casser dès le début. Genre, des fois, les armes, on peut pas s'en servir dès le début, c'est assez bazar. Donc vous allez spawner en bas, donc là on est en bas, et là c'est en haut. On a interdiction de casser les murs orange, parce que bon, vous pouvez les casser bien sûr, mais après si vous sortez, vous êtes mort quoi. Mais bon, ça se base sur le fair play. Je vous invite aussi à construire en briques des fois, ça peut être sympa, enfin bref, il y a plein d'améliorations à faire. Et en bas, comme vous allez le voir, il y a toujours deux. Vous voyez, il y a toujours deux carrés, vous allez voir. Là je vais casser là, il y aura forcément deux. Bon là forcément il y a un spawner, donc il peut y en avoir deux. Mais genre vous allez voir, hop là, deux carrés vides. Hop là, deux carrés vides. Bon là c'est un spawner, donc il y a forcément pas de carrés vides, mais hop là, trois carrés vides. Bien sûr, il y a des murs qui disparaissent, normalement il devrait y en avoir un là, mais le créatif bug énormément et ça fait partie. Et du coup, par exemple, en haut, si je vais en haut, tac. Si je vais aller en haut, bon, bien sûr, il y aura le mur orange qu'on n'aura pas de casser. Vous allez voir, c'est que du 1. Genre un bloc. Donc là, c'est vraiment une concentration importante. Et le but, c'est que ce soit vraiment compliqué. Alors que là, le but, c'est que ce soit assez aéré pour qu'on puisse assez rusher, assez bien monter, que ce soit assez fluide. Et qu'en haut, ça soit vraiment ultra hard, qu'en mode, on construit en mode, voilà. Et puis, il y a les bons edits qui soient faits, voilà, bref, c'est ça le but. Et du coup dans les angles, en fait tout le monde va essayer d'aller dans les angles les gars pour ça, regardez. Parce que dans les angles il y a soit des mini-pods soit des bandages et c'est très vil. Bref, je vous propose qu'on teste tout ça directement avec les abonnés. Donc si vous aussi voulez jouer avec moi, tout ça, chaîne Twitch en description, allez, bon visionnage, j'espère vraiment que la map va vous plaire. Et si vous voulez le code, pareil, ça se passera sur Twitch, allez. Du coup les gars, celui qui remporte là, celui qui gagne le fan zone remportera soit une petite duo, soit un petit BF contre moi, voilà, tranquillou. Allez viens, viens. Et du coup, on sera 12-14, je crois. 14-15. En espérant que ça va pas bugger. Allez, mon île, c'est parti. Ah bon, attendez. Ça va arriver. Tu peux pas dire le serveur crédit, c'est normal, on est full là, on est complet là. Hop là, mon île, lancez le jeu, bonne chance à vous, c'est parti. 4 minutes. Hop là. Je spawn avec les armes. Attends, on peut pas tirer dès le début, c'est chiant le créatif pour ça là. Voilà, c'est bon.
Allez là, je peux pas mettre de coups de pioche. Ah, le créatif c'est trop chiant de lui. Hein. Ouh, c'est malade qui s'était endormi sur son clavier là. Ah mais il est... Aïe. Oh. Ah petite... Quoi? Uniscott il m'a mis tellement cher à la pioche, j'ai à lui hein. Ah j'ai à lui hein, il m'a mis tellement cher à la pioche. Oh là là, et Skyma qui tombe, GG à lui mec, il a bien joué. Ouais. En vrai il a bien joué, il m'a fallu vraiment chercher de l'huile. Là je peux pas casser, il y a le truc orange là-haut. Là. Go casser là, nickel. Je crois que le coin doit être là, là. Ah nice, oh nice. Mini pote. Yes, là. Ouh, là ça fout le... Attends, il y a des mecs là, c'est sûr, il y a un mec qui a construit un putain de triangle, mais c'est pas moi. C'est moi qui ai construit ça, putain, je suis trop con, mec. Oh là là, Fafa! Ça va, il se ramasse un petit brain là. N'oublie pas, le gagnant remporte une duo hein. Oh là là. Mais quelle dextérité du joueur français. Ah je peux pas boire si. Ah j'ai gagné. Ah j'ai fini premier. Oh là là, c'était tellement tendu. Bah go refaire une les gars pour savoir, pour désigner le vainqueur du coup hein. Go refaire une last game pour désigner du coup le vainqueur. Bah GG à vous hein. Wow, elle était tellement tendue cette game là. Allez go refaire une autre. Allez hop c'est parti. Go c'est parti, lancer la partie, bonne chance à vous. Allez encore, bah on l'a refait du coup vu que j'ai gagné. Hop là. Putain y'a encore des putain de bugs de merde hein. C'est casse-cou en vrai créatif pour ça hein. Ça c'est chiant, on peut pas tirer des... Ouh, ah je me fais back là. Ouh. Oh la il a tellement bien joué. Enfin il a bien joué, pas tellement, il s'est pris le piège. Ah là 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 là. Il s'est pris la zone. Et on a Kryptonium Fox qui est... Bah qui s'est fait... Qui ont back un mec. Alors il y a un mec juste à... Oh derrière lui le back. Ouah, le bac qui fait mal, regardez, des deux côtés. Là faut monter en haut, est-ce qu'il va avoir l'intelligence de monter en haut là. Là faut absolument qu'il casse en haut sur le côté hein. Sinon il est mort hein. Ah là, tellement tendu. Situation compliquée pour le jeune français hein. Il a vu le mur en haut, est-ce qu'il va essayer de le casser. Il va se faire back hein. C'est obligé qu'il se fasse back dans les secondes qui viennent là. Ouh. Il pire en retrait, il a bien raison. Ah c'est... Là, il est en division vraiment difficile. Hein. Ouh. Ouah, il est vraiment pas bien. Il l'a vu. Oh, il l'a vu. Il est vraiment encerclé. Oh là, ça va tellement être tendu pour lui. Yo à tous ceux qui sont sur Twitch. Yo à toi, Spatial. Yo tout le monde. Hein. Oh là, mec, c'est tellement. Il est vraiment dans une position difficile là. Il a vu qu'il y avait un mec juste là, il va le tuer. Ouh, la décale qui a pas marché, c'est dommage. Ah le bac. Oh il y a des bandages qui pourraient tellement être utiles à Kryptonium. Est-ce qu'il va faire le risque de les prendre? Eh il les prend pas, il les a peut-être pas vus si. Oh quand même mec, pour pas les voir, faut vraiment être myope. Ah dommage. Oh il... L'AK. Il... Oh c'était dangereux hein.
Et du coup, on a la POV sur Vavak. Je sais pas pourquoi Vavak, mais ça nous a mis la POV sur Vavak. Vavak qui était pas un mauvais joueur, hein, qui est pas un mauvais joueur là. Qui a 2 kills déjà, donc qui est pas mal du tout. Voilà. Ah, là, ils ont trouvé du gibier là. Il a trouvé du gibier. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ouh, la fenêtre comme ça, c'est risqué. Hein. Tu peux te prendre un one. La PM, c'est vrai que peut-être que je l'enlève. Je ne sais pas du tout. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, tu peux rien faire. Hein. T'es obligé de back, de tourner. Merci beaucoup du flow. Il y a Kirikou. 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 Eh, hey, petit. Mais il est vaillant. Bon, allez. Il va se faire back sur le côté. Hein. Le mec là-bas va forcément venir. Il a bien joué. Heureusement qu'il s'est bloqué. C'est le... Oh là, il y a du back de tous les côtés. C'est vraiment une bonne fin de zone là. C'est... Quand il y a du vrai back comme ça, c'est... ça représente vraiment une fin de zone quoi en fait. Hein. Fin de zone, il y a du back de tous les côtés. Il y a des petits mecs partout à droite, gauche, droite, gauche. Ah, il se heal le mec là. Il l'a entendu. Ouais, ici, juste là, peut-être il a... Pas beaucoup d'action. Oh, il a trouvé. Ah, l'escalier qui sauve. Oh, l'edit. Oh, le 120. Oh, il se fait back. Oh, ça, c'est compliqué, ça. Oh, là, il l'a mis low. Il est très, très, très low. Oh, dommage, la balle qui loupe. Vavax, il louche tellement. Une... Oh, il louche. Merci, Midox, de follow. Oh, là, il a louché. Oh, dommage, Vavax. Ah là là, Vavak qui a fait gagner 17 secondes, il reste. Ah là là, les joueurs devaient se rusher. La mec rush, hein, Vavak. Hein. Et peut-être empocher la victoire. Hein. Les mecs vont peut-être pas rusher, dommage. Dommage à eux, j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas rusher. Il reste 8 secondes, tant pis, dommage. Le but étant tous de se tuer. 3, 2, 1. Et c'est légende Roulian qui gagne avec 5 kills et un top 1. Bah, du coup, il gagne, enfin, il a pas fait top 1, mais du coup, il finit premier. Du coup, GG à lui, les gars. On va passer directement, du coup, bah, on va lui demander s'il veut BF ou faire une duo avec lui. Donc, c'est parti. Bref, voilà, j'espère que du coup, la vidéo vous aura plu, que vous aurez compris un petit peu le concept des fanzones. N'hésitez pas à me donner votre avis, n'oubliez pas, bah, si vous voulez venir faire bah, les fanzones avec moi, voilà, comme bah, Vavak, Roulian, tout ça. Ça se passe tout sur Twitch, le lien est en description. Allez, ciao.